On se retrouve pour un nouvel, la suite de l'Odyssée, donc on va continuer tout de suite et maintenant en direct live, ah non pas live, en direct différé. Arrête de faire ça. En direct différé, c'est toi qui me l'as suggéré tout à l'heure. Non, c'est toi qui l'as dit, et moi je te dis de... En direct différé, parce que on n'est pas en direct direct, peut-être un de ces jours en direct direct, ça dépend de ce que tu penses. Mais ouais, j'aimerais bien. Ouais. Donc voilà, en plus, c'est vrai que là, il tourne bien mieux, l'anti quand même. Ouais, c'est pas comme tout à l'heure, là, il laguait. Maintenant qu'il est branché, ça tourne mieux, j'ai l'impression. Parce qu'en gros, tout à l'heure, vu que c'est un ordinateur portable, il tournait sur sa batterie, donc je pense que ça devait. Ouais. Et puis voilà. Mais en fait. Les bruits avec ta bouche. Dites-le, hein. C'est un con, hein. Ça, faut lui dire à lui ça. Il met les pleins ports, voilà. Bah ouais, mais excuse-moi, mais moi je roule de nuit. Non, je t'excuse pas. Et bah tu m'excuseras quand même. Donc voilà, surtout n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur YouTube Quoi, sur YouTube, Non, pas YouTube. Bah si, sur YouTube, ça se dit. Ça peut être un site porno, ça peut être... merde, pourquoi tu me merdes là, bordel. Bah tout à l'heure, ça m'a fait ça. Ça te l'a pas fait, ça? Si. Ah bon, bah j'étais pas là, alors. Oui, t'étais pas là au moment. Donc voilà, donc n'hésitez pas à laisser voilà un commentaire, c'est ça le mot que je cherchais, sur YouTube, pour me dire si vous voudrez en avoir... Le petit con. Vous voulez en avoir d'autres, des Odyssées. On essaiera de faire Mister Bledard en Odyssée. En gros, on va faire du Caire jusqu'à comment ça s'appelle? Singapour, comment ça s'appelle? Putain. Non, Singapour, c'est pas du tout en Afrique. La capitale, je crois, du Maroc, je sais plus comment ça s'appelle. Marrakech, voilà. Non. C'est Marrakech. Oui, mais c'est pas là, c'est une autre ville connue du Maroc, mais je sais plus comment ça s'appelle, qui a, je sais plus, elle est très connue, puisqu'elle fait le, mais t'as mis les giros, ouais, t'avais mis les giros avant, ah oui. On les a pas enlevés. Bah non, parce que c'est un coup exceptionnel. Ouais, bah y'a rien d'exceptionnel, transporter deux Fenwick, mon gars, y'a rien d'exceptionnel là-dessus. Mais bon, et puis en plus, il y a. Voir ça en réalité. Il y a deux Fenwick, mon gars. C'est deux Fenwick qu'on a, je crois. Hein. Je sais pas, je vois pas derrière. Tractopelle. Ah bon, c'est des tractopelles, ouais, je pense. Ah, ok. Donc n'hésitez pas aussi à mettre un petit j'aime sur Facebook et Twitter. Sur Google Plus. Là, sur Facebook, c'est un petit j'aime. Après, sur Twitter, c'est un follow. Le ou un petit pouce bleu. Ouais, si tu veux. De toute façon, tu peux pas mettre un pouce rouge sur Facebook, alors. C'est con. Et c'est dommage. Pourquoi c'est dommage? T'as juste à mettre un commentaire avec c'est de la merde et puis c'est fini. Ouais, mais dommage, ça met le pouce rouge aussi. Et après, voilà, après c'est vrai que. Voilà, après sur Google Plus et Twitter, c'est suivre. Mais c'est un peu. C'est la même chose en fait. Vous mettez un j'aime et ça revient à la même chose qu'un suivre. Ils ont voulu changer un peu le truc. Donc n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir.
Arrête de prendre l'accent africain. Là. Ah bon? Ouais. Putain, j'arrive pas à trouver ce nom là. Putain, je cherche. Ça commence par un B, je crois. Tu connais toi, Mahmoud? Non. Un nom de ville marocaine qui commence par un B. T'as qu'à chercher sur internet? Oui, j'ai même pas besoin de chercher sur internet. Hein. Voilà, au pire, ouais. Voilà. Je sais plus où c'est, si c'est une connerie. Tunisie? Tunis? Non, moi, je veux pas aller à Tunis. Je veux pas aller à ce monde de bête de connard. Allez. Allez. Voilà. Oui, bah, il y a un B dedans, mais c'est pas B, c'est Casablanca. Voilà. Ouais. Il y a un B. Moi, c'est le B qui m'avait marqué, mais c'était pas le B, en fait. C'était pas. En fait, je vois même pas où est le. Dans mon rétro, je vois. Mais je vois limite où est le. La barrière de sécurité, en fait. Et tu vois pas avec, avec les girons? Bah, si, mais c'est. Je vois limite, je t'ai dit, je les vois, mais. C'est limite. Non, moi je les vois. Donc là, on va aller bien et tout droit. Comme les avions quand ils décollent, tout droit. Bon, pareil, ils vont pas décoller de travers aussi. Non, mais ils roulent tout droit pour décoller, donc oui. Et puis ils décollent de travers quand tu regardes. Souvent ils décollent de travers. Ils roulent tout droit sur 100 mètres ou 200 mètres et après ils décollent en travers. T'as jamais vu ça? Non. Quand en règle générale, une fois qu'ils ont quitté le sol, ils se mettent un peu en travers. Bien en règle. Ah oui, c'est vrai, j'enlève tout un phare. Ils me font des appels de phare pour me dire baisse tes phares, connard! Ouais, baisse tes phares, connard. Non, mais c'est bon, c'est fait, connard. Maintenant, on remet. Là, on va arriver en ville. Quand on arrive en ville, les gens changent de trottoir. Non, c'est quoi ça? Si, c'est ça. Ouais, si, c'est ça, hein, je crois. Je sais plus du tout. Franchement, je m'en rappelle plus. C'était Balavoine, je crois, si je me trompe pas, en 1960. 18, je crois, je sais pas, j'en sais plus rien. Le pro du Balavoine. Il bat beaucoup l'avoine. Non, les thèmes du Steven Jobs. Super pas, nul. Je suis sûr bon, que t'as pas je pense je vais y aller parce que. Bah, vas-y, peur. Personne t'en empêche. Tu peux y aller. La porte est là-bas. Ah, je savais pas ça. La fenêtre, porte est là-bas. La fenêtre, elle est là. Juste devant. Par contre, je vais ouvrir un peu avant. Ouais. Putain, mais c'est bien ici. Attends, c'est tout vert. Ou... Ah, c'est pas vert, il n'y a pas de feu. Ben voilà, c'est tout vert. Ben non, il n'y a pas de feu, c'est pas vert. Ouais, c'est tout vert. Si ça fonctionne pas, c'est tout vert. Tu passes, c'est tout. Tu fais pas chier. Tu fais chier la bite. Ça passe, pas de dégâts. Sale bourrin. Ouais, tu peux parler. Non, non, moi j'étais tout doux. Ouais, tout doux, ouais. Et moi je te sais que j'ai toujours pas pris de dégâts non plus. Mais bon, là on fait un peu plus attention, on a fait un premier tour de merde alors là maintenant. Non, c'est pas là, c'est plus loin. C'est plus loin, hein. C'est plus loin qu'il faut que je tourne là, c'est une entreprise. Quoi? Excuse-moi, je vois pas grand chose. J'avais pas remarqué l'entreprise en fait. T'es pas obligé de la remarquer, ça aurait pu être juste un truc. En plus, les bêtes. Ce que j'aime bien dans cette ville, c'est. Je me sens pas que c'était comme ça la première fois que j'y suis passé. C'est bizarre. Parce que le pire, c'est que je suis bien passé ici par la première fois. Ouais, c'est des Fenwick. Est-ce que tu me dis des conneries, toi? C'est des Fenwick. Des Fenwick? Ouais, je pensais que c'était des trucs élévateurs, là, des chariots élévateurs. Tu verras pas. Ça, c'est des chariots élévateurs. Moi, j'aime bien le petit sifflement là, du moteur. J'espère que vous l'entendez pas en écho, normalement. Normalement, vous l'entendrez pas en écho, c'est trop faible pour que vous l'entendiez en écho. T'as rien compris, je parle. Si, j'ai compris. Oui, t'as dû réfléchir longtemps pour comprendre. Vu la gueule que t'as tiré. C'est même pas ça. C'est quoi alors? C'est que t'aurais dû mieux la fermer en fait. Pourquoi? Parce que j'en ai envie. Non. La ferme pas parce que d'une c'est ma vidéo et de deux c'est ma vidéo et de trois c'est ma vidéo tu la fermes
Non, non, c'est ma vidéo. Je la ferme que si j'en ai besoin. J'y vais au fond. Non. Franchement, ça, là, c'est un grand besoin. C'était quoi, je crois, les Chevaliers de Las Palais ou un truc comme ça, qui avait fait un espèce de sketch là-dessus. T'as pas compris en fait pourquoi j'ai dit ça. Parce qu'en fait, j'allais dire. Il y avait dans la cabane au fond du jardin quand j'en ai besoin, ou un truc dans ce genre-là. Et je crois que c'est ça, c'est les Chevaliers du Fiel ou les Chevaliers de Las Palais, je sais. Vous voyez, quand même, j'ai pas mal de culture, mais ça, c'est pas trop culturel comme ça. Déjà, je m'en sers pas toujours bien, on va dire, dans ma culture. Donc finalement, ça se passe plutôt bien. Hein. Franchement, les petits chemins, je les aime bien. Ils me portent bien dans leur cœur. Les petits chemins, ils vont bien. Hein. J'avais pris l'autoroute la dernière fois, je m'étais emmerdé comme pas possible. Attends, non. Attends, c'est... non, j'étais sur. Bah si, j'étais sur la. Bah non, en fait, ce qui m'avait bien emmerdé la dernière fois, c'était ce putain de demi-tour improvisé sur une petite route à deux voies. Sur l'autre vidéo, là. Oui, sur l'autre vidéo. C'est ça qui m'a fait chier la première fois. Qui m'a fait chier. Ouais. Ouais, moi je pensais avoir moins longtemps que ça parce que là en gros j'en ai pour 10 minutes de vidéo déjà et je suis pas encore arrivé au bateau. Mon bateau, ouais, je sais plus ce que c'est ça non plus. Mais je crois que c'est une musique ça. Bah, j'évite le dodan. Manœuvre d'évitement les gars, y a rien de tel. Pour bien passer. Trop télé, on dit. En plus, il y a un peu trop de vagues. C'est pour ça que je skip. Moi, je m'en fous. Dessus. Ouais, mais tu prends des dégâts et le but, c'est quand même de gagner un minimum d'argent. Quand même. Un minimum. Et de rester à un minimum simulation aussi, quand même. Là, c'était pas vraiment simulation. Hein, quand oui, bah, t'en as qui le font. Hein. Ouais, mais non. Fouah, c'était. Je crois que ça passait un poil de cul là. Non ? T'as pas remarqué ça toi aussi ? Non. Avec le portail et tout ? Ouais, mais bon, il était pas si gros que ça. C'est ça. Oui, bah, c'est important. En plus, je sais même pas combien je roulais. Je devais rouler à 50 de toute façon. Et c'est putain des trucs à l'eau. C'est putain des trucs de bus. Non, c'est le bateau. Merde. Non, c'est le train. C'est quoi, c'est un train ou c'est. Ah non, c'est un bateau. Je sais pourquoi je pense à un train. Franchement, je lui dis, quand tu m'y mets, je suis. Ouais, rien du tout. Il y a des faux. Ah, CSP, c'est moi qui vais rentrer en France. Ouais. Je vais rentrer en France. Peut-être pas, je sais pas encore. Non, c'est lui. Ouais. Je suis peut-être arrivé en France. Ça sera moi qui vais rentrer en France. Je rentre en France. Il te reste 12 minutes. 12 minutes ? 12 minutes. Ouais. 15 minutes. Non, 15 minutes, tu peux faire des trucs encore. Pas 15 minutes là. Bah, on a 12. Donc s'il faut à peu près que j'arrive à 30 minutes, ça fait un peu plus de. Ça fait même 17 minutes. Donc le temps qu'il charge, le temps que j'arrive de l'autre côté, que je me mette en piste, je suis parti. Mais je pense que la caméra elle va se couper. Non, il reste encore une demi-heure. Mais depuis tout à l'heure. À une demi-heure, il me reste à une demi-heure tout à l'heure. Donc là, il me reste encore 15 minutes. Un peu plus de 15 minutes. Putain, je pensais que c'était un compte à rebours. Non, compte à rebours, c'est sur mon téléphone. Mais bon, donc voilà, là c'est vrai que. En plus, la caméra elle est bien, je peux la foutre sur un trépied tranquille. Comme ça, moi, elle bouge pas, j'ai pas à m'emmerder. Pression encore faible, ils m'énervent avec leur pression de frein de merde là. Bon, allez, bouge ton cul, fonce-moi tout ça là, fonce-les dans les WC. On y va, je sais même pas d'où ça sort ça. Je mets trop beau les WC là. Là-bas. Il doit certainement y avoir des WC sur le port quand même. Hein. Parce que les marins, faut bien qu'ils aient chier quelque part. Pisser aussi. Bon, après pisser, ils peuvent pisser dans l'eau. Bon. À part si c'est des marines. Des marins au féminin, mais je sais pas s'il y en a beaucoup, je crois pas. Parce qu'il y a quand même une légende dans
pour tout ce qui est marin, disant qu'une femme à bord porte malheur. Mais après, c'est vrai que maintenant, ça a été un peu altéré, on va dire, avec le temps. Parce que, j'espère pas faire la même connerie que tout à l'heure. Non, ça n'a pas l'air. Bien que la semaine, il y a 2 semaines. Non. Normalement, non, je peux pas. Non, non, il y a le trajet déjà. Oui, oui. C'est pour ça que si tu veux pas faire une connerie. Puis de toute façon, tu arrives en Italie, donc tu veux aller où après? En Croatie? Et pourquoi pas? Et ouais, c'est vrai que j'aurais préféré peut-être aller en... Au lieu d'aller en France, aller en Pologne. Mais bon, la Russie, la France était en bonne posture parce que déjà c'est notre lieu de résidence. Et puis parce que voilà, j'ai pas d'autres raisons à donner. Bah, d'autres raisons valables en tout cas. Qu'est-ce que t'en dis toi? J'ai juste que t'avais envie seulement. Ouais, j'aurais préféré aller en Pologne. Mais je sais pas, il n'y avait pas donc. Parce qu'en fait, dans la première livraison que j'ai faite, je sais pas si t'as vu, parce que je sais pas si je l'ai fait en vidéo ou pas, quand j'ai choisi ma livraison, en bref, je voulais aller en Pologne déjà. Et ben, j'ai hésité en fait entre aller en Pologne et aller en Angleterre. Bien, nous en fait, j'hésitais pas, mais après, quand j'ai vu l'émission, j'ai fait ah ouais, c'est pas mal ça. Mais je sais pas, dites-moi dans les commentaires, parce que j'ai pas encore joué. Sur la 1.17 qui est sortie aujourd'hui ou hier, je sais pas trop. C'est quand tu l'as mis à jour toi? Hier? Ouais, je sais hier. Ouais. Donc elle est sortie hier, la 1.17 de Eurotruck. Et je sais pas si la Truck Simap est compatible avec la 1.17. Mais de toute façon, je suis obligé de continuer en 1.16. Parce que. Sinon, il aurait perdu les données. Voilà. Ah, pas forcément. Le convoi. J'aurais perdu mon convoi et tout le bazar qui va avec. Fais attention toi derrière. Merci. Mais il a fait attention. Il a fait attention. C'est à toi de faire attention. Je lui ai dit ferme ta gueule et arrête-toi et s'il l'a fait. Simon, c'est pas arrêté. Moi je sais pas, il est pas passé loin. Il a fait attention. Donc voilà, là en plus je fais de la ville, c'est bien plus compliqué que toi. Toi t'as fait de la campagne, il n'y avait personne sur la route. Il n'y avait personne devant toi. Attends, le seul moment, c'est peut-être un virage où il y avait une voiture. C'est le moment le plus compliqué de ta vie, mon gars. Le plus compliqué du jeu que t'as fait. Attends, sérieux, en gros, t'as eu la vie cool, quoi. Non. Enfin, ouais, non, vu les virages jeu, que j'avais. Ouais, bah oui. Ah, bah ouais. Je te signale que j'en ai aussi des virages compliqués. J'en ai eu un ou deux. Pas beaucoup, mais j'en ai eu quand même. Un ou deux. Bah, c'est déjà pas mal. Ouais, dès que t'étais pas là. T'as pas vu les virages de malade que j'ai fait? Ouais, j'étais pas là, comment tu veux que je voie? Je le verrai sur la vidéo. Sur, oui, la c'est... vidéo, sur la vidéo, oui. C'est bien ce que je dis, parce que t'étais pas là. Donc voilà, après, n'hésitez pas si dans la prochaine, peut-être qu'on va faire une saison 2. Hein? Ben, je sais que je dois tourner, j'ai un clignotant, je te signale. Je sais que je dois tourner, je regarde la carte quand même. C'est que... On sait jamais. Regarde la carte comme la dernière fois. C'est la carte, c'est. Non, c'est pas c'est la carte, c'est. Je suis la carte. Mais, ah oui, oui, c'est... Arrêter. Ah, connaisseur. Ah, parce que ma petite sœur regarde. Connaisseur. Il connaît Dora l'exploratrice. Hein. Qui connaît pas? Bah, ici, j'ai regardé. Voilà. À dire que cette merde, ça fait 10 ans que ça existe et je sais même pas si ça continue à exister. Alors. Ouais, ça continue sur TG. Ouais, sur des trucs comme ça, Nickelodeon Junior, des trucs pourris à la con. Pourris à la con, excuse-moi. Hein, c'était avant, tu regardais les trucs pourris à la con comme ça. Ouais, non, pas moi, non, mon frère, oui. Parce que c'est lui qui regardait toujours. Moi, j'étais obligé de regarder vu que c'est toujours lui qui squattait la télécommande, mais c'est tout. Il avait pas sur Canal J aussi? Non. Pas cette merde. Pas. Il passait aussi à l'époque sur TF1, je sais pas si c'est encore le cas. Ça je peux pas te dire en ce moment parce que bah, en ce moment de... mais il y a 10 ans à peu près ça passait déjà sur TF1 avec les Total Spice, mon gars. C'est pas ça non plus, il y a toujours les Total Spice. Ah, je me rappelle, putain, il y a 20 ans, non pas 20 ans si c'est... il y a 15 ans à peu près, je sais pas si vous public vous connaissez parce que vous êtes peut-être encore peut-être un petit peu jeune. Vous êtes peut-être un petit peu jeune pour connaître tout ça, toutes les rigueurs
des dessins animés des années 94. Enfin, pas 94, mais début des années 2000. Martin Mystère. Oui, aussi, c'est pas mal. Hein. Martin Matin. Non, ça c'est pourri par contre. Et en plus, c'est trop jeune. Non, Martin Matin, ça fait. Et puis, ça passe encore assez régulièrement. Ce que je veux dire, par exemple. Power Rangers. Ouais, mais c'est pas vraiment du dessin animé, là, c'est du film plutôt. Je pensais plutôt à Tortue Ninja. Enfin, les nouvelles versions, hein. Je vous parle des vieilles versions qu'il y avait à l'époque. Digimon. Non, ça c'est trop con. C'est de la copie. Il va prendre, il va le prendre. Yes! Je l'ai pas touché! Je l'ai pas touché! Je l'ai même pas touché, mon gars, je me suis arrêté, il devait rester un poil de fesses, mon gars. T'as quoi avec tes fesses aussi là? Sérieux? Attends, bite, putain! Tes fesses. Ben voilà, ça fait équitable maintenant, ma bite et mes fesses, comme ça, il y a le contrepoids. Non, bon, on va arrêter de dire des conneries parce qu'après je vais pouvoir mettre interdit au moins de 18 ans, mais laissons tomber. Bon, on met tout ça à zéro. Donc voilà, après n'hésitez franchement pas. Mental à laisser. Pervers. Et ça te fait quoi si je suis un pervers? Ça te gêne? Franchement, je m'en fous. Oh là là. Tu vois pas la carte là? Bah si, mais c'est pour voir plus grand. Ouais, plus grand encore. Ouais, c'est la carte, c'est. Ah non, c'est suis la carte. Je me fie à ce que tu dis, hein, parce que moi j'ai pas regardé. Je veux pas dire aussi sac à dos, non? Sac à dos! Non, je connais même plus. Sac à dos. Sac à dos, ouais. C'est moi qui suis à l'école. Il les connaissait, hein? Je suis sûr que quand il est chez lui, il doit mettre. Dora l'exploratrice! Parce que ma petite sœur elle regardait. Ou Diego, je sais pas rentré quoi. Dans la tête et c'est resté. Comment ça s'appelle l'autre truc là? Diego? Diego. Tout court? Ouais. Diego? Hey Diego! Et à Don Diego? Le cousin de Dora. Ah ouais, putain! Ah ouais, je me rappelle de ça. C'était un truc que j'aimais bien et que j'aime toujours bien. C'est quoi? Zorro! Tu veux parler de. Du téléfilm, on va dire. Ouais, et ça, franchement, c'est plus vu que toi. L'ancien. Ouais, l'ancien. Bah, de toute façon, il n'y en a qu'un ancien. Alors, il y a eu des films, non, mais il n'y a pas eu de télésérie récente de Zorro. Je pense que c'est simple, il y a eu une saison. Non. Il y a eu une saison. Par contre, ouais, il y a une série qui est récente et qui est vieille aussi, qui me plaît beaucoup. Et franchement, j'admire le travail qu'ils font. C'est Doctor Who. C'est franchement... une série qui est vieille et nouvelle à la fois. Bon, ils ont fait une pause entre les deux parties, on va dire, mais assez longue, d'une dizaine d'années, je crois. Mais ça fait quand même 53 ou 52 ans que ça dure. Et moi, franchement, je trouve ça admirable. Hein. Ils ont fini la saison 8. Je sais plus pas trop. Abusé, non. Hein? Ben, je sais pas, je suis pas. C'est la saison 8, je crois. Ouais, ils ont fini la saison 8. Et franchement, bon, c'est peut-être pas la saison 8 qui est la plus intéressante. Bah bon, ça va, ça reste correct. Et franchement, moi j'aime bien. Sinon, il y a Sanctuary qui est bien. C'est quoi cette merde? Sinon, c'est comme Voiture Doctor Who. Il y a une série que je kiffe sa mère. Là, non, il y en a deux. Non, il y en a trois. Il y a trois séries. J'en kiffe tellement que je kiffe sa mère qui ont entre 20 et 30 ans chacune. Buffy contre les vampires. Non, ça c'est à peine 20 ans ça. Et Angel. C'est pas, c'est 15 ans. Non, moi je voulais vous parler de Des Feux de l'amour, Amour, gloire et beauté et Top Model. Ça c'est les séries au top, mon gars. Amour, gloire et beauté. Eh, connaisseur, mon gars. Je crois que ça passe à 10h. Qu'il faut rêver. À 10h le matin sur France 2 ou France 3. Non, c'est France 2. Ouais, France 2. Juste avant le dessin animé, je crois. Ou c'est. Non, c'est après. C'est après. 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 Y a mais moi, je regarde pas. Il y a Amour, gloire et beauté en premier et Les Feux de l'amour après. Sur France 2 Sur France 2. Sérieux, il passe Les Feux de l'amour sur France 2. Ah bon? Ouais. Moi, je pensais que c'était que sur TF1. Non. Il
Et après, le soir à 18h-18h30, il passe le top model sur RTL9. Franchement, on fait de la pub là, mais c'est hors norme. Sinon aussi, il y a une autre série que j'aime bien, qui est pas très vieille, je crois. Ça date de 2008 ou 2009. C'est Merlin, qui passe sur Énergie 12 à 9h30. 9h30, 9h40. Parce que là, on est en train de faire de la pub, tu sais, c'est hardcore, en gros, ça part en couille, c'est... Bon, ça me dérange pas, mais... Putain, j'ai la voix cassée. Franchement, ça me dérange pas plus que ça, mais ce que je veux dire par là, c'est que... Voilà, on part en... là, ça part en couille, on fait de la pub pour des trucs à la con. Et ça part, c'est vrai que les derniers... Attends, c'était quoi déjà? Je crois qu'on va s'arrêter à la prochaine station de service. Parce que... À la station service ou... La gueule, la station service, c'est la station service, bordel. Elle est où cette putain de station service? Tu vois quelque chose? En plus, on est en Italie, donc sinon on s'arrête à un péage. On a encore 5 minutes. Donc. Je vais même pas arriver en France, ma parole. C'est pas possible. Je te dis, c'est moi qui vais être en France. Bah non, sinon je peux faire une vidéo demain et puis arriver en France. Putain de connard. Ouais. Et ça te dérange? Franchement, ouais. C'est pas grave. Tu pourras le faire quand t'auras un ordinateur. Un connard, tu pourras peut-être le faire en live ou en différé. Je peux faire les deux. Donc voilà, après, donc c'est pas compliqué. On va continuer comme ça. Bon, on va aller au maximum qu'on peut aller en termes de distance. Il reste 4 minutes. C'est pas possible! C'est pas possible! Non, j'ai en fait le truc, c'est que je pourrais juste m'arrêter sur le côté puis finir. J'ai pas envie, ça serait dégueulasse, et puis j'ai pas envie de faire comme j'ai fait dans la première saison. Donc n'hésitez pas non plus à faire un espèce de petit pronostic sur les résultats de cette odyssée fulgurante qui se démarre en tout cas mieux que la précédente, en tout cas grâce à moi. Oh, et grâce à toi, ouais. Les deux petits bouts de convoi ils sont mieux que les tiens. Bah la preuve, hein, j'ai pas eu de dégâts. Hein. Non, moi j'ai pas eu de dégâts. Bah voilà. Mais voilà. Toi t'as rien eu, t'as eu un bout de... T'as eu que du vide, du flanc. Il y a pas eu de voiture sur la route où t'étais. C'est le virage que j'ai fait n'empêche. Oui, bah moi aussi j'en ai eu, pas beaucoup, mais j'en ai eu. Deux? Trois, oui. J'en ai eu pas beaucoup, mais j'en ai eu. Et moi j'ai eu beaucoup plus de voitures que toi. J'en ai eu des voitures. Ouais, bah... Viens pas te plaindre pour ce que t'as eu. 3 minutes, 3 minutes les gars. Oui les gars. Tout de suite j'ai pas envie de payer les pièges de l'autre côté. Tu vas pas faire un détour. Bah de toute façon si je fais un détour il est minuscule alors. Là je suis à fond. Je suis à fond les ballons. Non, on pourrait dire chauffeur si t'es champion et puis sur le champignon, bah, c'est ce que je suis en train de faire. Mais bon, c'est pas le sujet. Est-ce qu'on peut mettre les préfères? Oui, mais bon, ça ne sert à rien. Presque. En plus, d'après ce que j'ai vu, je sais pas si c'est avec la nouvelle mise à jour ou si c'est avec le DLC Scandinavie. En gros, il y a tout. C'est vraiment tout refait, c'est super joli et tout. Tu vois mieux les lumières des autres voitures. Je sais pas si t'as regardé ou pas. Ou t'as juste vu ton personnage en 3D. Pas regardé, c'est la fin. Parce que les lumières, tu les vois bien mieux dans la... Là, je sais pas en fait si ça vient de la nouvelle version ou si ça vient du fait que c'était avec le DLC Scandinavie, j'en sais rien. Et oui, tu étais au courant du DLC Scandinavie? J'en ai aucune idée de ce que c'est. En gros, c'est un DLC où dedans t'as. Comment dire? T'as toute l'Europe du Nord. En
Ouais, je crois, j'ai déjà vu. D'ailleurs, Galax en a fait une vidéo en live. Direct live, hein, pas live différé comme. Mais, donc, et c'est vrai que c'était plutôt pas mal. Là, en plus, je trouve que je conduis plutôt pas mal. Hein. Franchement, c'est du net. Il n'y a pas d'écart trop sur la route. J'ai fait des belles conduites. Et j'ai pas coupé les virages comme lui, là. Bah, j'ai coupé les virages parce que c'était des grands virages. Ouais, bah, vu comme tu les as coupés, il n'y avait personne qui passait à côté. Et alors, heureusement qu'il n'y avait personne sur ta route parce que sinon, tu les as emportés. Ah ouais. Je crois que je vais m'arrêter vers Milan. Là. Putain, il reste 30 secondes, là. 20 secondes ! Non. De toute façon, le truc, c'est que si ça coupe, je m'arrête sur le bord de la route. Bah, ça m'a coupé. Attends. Qu'est-ce qu'il me dit ? Ah ? Tu veux dire plutôt grand, tu es ? Mais j'ai qu'est-ce que j'ai dit comme gros fils de pute ? Et puis. Ouais, mais on recommence à le dire ! Je t'en prie. Aussi, j'ai dit, ouais. J'ai tout. Bon, là, je suis en train idiot, de idiot, ça. Idiot ? J'ai dit idiot ? Non, c'est moi qui le dis. Ah, bon, bah, c'est pas grave, alors. Est-ce qu'on a besoin de se reposer ou pas ? Non. 7h, c'est bon. Là, on arrive à, au parking. Et voilà. On va rester au service, plutôt. Oh, putain. Non. Vous voyez, il y a un gros problème. Je vois pas de quoi parler des putes, c'est mon problème, c'est un problème d'autres gens, mais bon. Bah si. Excusez-moi, je vous ai peut-être vexé, prostituée. On va parler correctement. Bah ouais, prostituée, c'est plus correct que pute. Tu savais pas ça ? Je te l'apprends. Non ? C'est pas ça ? J'ai pas appris. J'aime bien franchement qu'il y ait d'autres voitures aussi, ça c'est intéressant. Avant ça y était pas. T'avais pas vu ? Que des fois il y a des voitures qui vont aussi sur les péages. Là sur les bandes d'arrêt. Sur les aires de repos. Ouais. T'avais vu ou pas ? C'est pas toi qui vas me faire remarquer. Mais ça moi j'aime bien, au début ça y était pas, ils ont fait des mises à jour et ils ont mis ça en plus et c'est bien. Donc on va se quitter là les amis sur cette bande de. Cette aire de repos. Donc on va voir où c'est qu'on en est dans notre périple. Encore deux malheureux épisodes et on va se quitter pour cette odyssée. Oh, c'est malheureux. C'est triste. J'espère que c'est moi qui vais arriver là-bas. Bah peut-être pas, on verra. Hein. Ouais, c'est à voir. On verra bien. Donc on regarde là où on est. En gros, la position. Nous, on se trouve. La position. Bah oui, la position. 6-9, grand 8. Écoute. Ah non, tu vas pas y arriver non plus. Tu vas pas y arriver non plus. Et puis de toute façon, en France. Ah non, c'est moi qui vais. C'est à Strasbourg. Hein. Hein ? Là où on arrive en France, c'est ici. On arrive là en France. Il reste encore 3 matchs. On n'arrive pas à Non. On peut passer. On va passer par Milan, après on va vers Berne, et après on va vers Strasbourg, Metz, Luxembourg, et après on monte. Donc voilà, on n'est pas loin. Pas loin. Il reste quand même, je crois, une trentaine d'heures de conduite, à peu près. Donc voilà, on va. Ça rend plutôt bien. Hein. Pour l'instant, on a quand même fait à peu près, je pense, la moitié du voyage. Merde, on peut pas faire moins. Ouais, on est pas loin de la moitié du voyage hein, quand même. On était au Caire. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. On a fait à peu près la moitié, je pense. Qu'est-ce qu'on dit ? Oh putain, j'ai envie d'aller à Alexandrie. Mais, Alexandropolis. Oh. Mais à la prochaine, si tu veux. Mais c'est trop court le prochain. Regarde-moi ça, faut arriver ici. On discutera du prochain Odyssée. Oh, ouais, mais bon, là, on a le temps. Ouais. Donc, on va se quitter là-dessus et puis se dire à la prochaine pour le futur épisode avec ce guignol. Le guignol devant vous. S'il te plaît. J'ai pas fait de dégâts.
Ah bah moi aussi j'ai pas fait de bécane, tu vois. Mais toi t'as conduit comme une lopette. Donc. C'est qui s'est mangé les trottoirs? J'ai mangé un trottoir. Voilà. Et encore. Non, ouais, je me suis mangé aucun trottoir, aucun truc. Ouais, t'as dû te manger un panneau ou deux quand même. Même pas, ouais. Tu verras sur la vidéo. J'ai rien vu, mais. Donc voilà, on va se quitter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez quoi que ce soit à me dire, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un petit j'aime, un petit partager aussi, ça fait toujours plaisir. Et puis de me dire ce qui vous plairait plus tard. Et puis on verra pour exaucer tout ça. Donc je vous dis à la prochaine. Peace. À plus. Ciao.